tout, peu importe. On part sur le GBA Corner avec la suite de Sonic Adventure. Il faudra que je upload les VOD qui vous verrez bien, ce sera sympa. Alors, pas Steam, ROM Station s'il te plaît, parce que Steam ça va pas de cool. En plus Steam je m'en branle là. D'une wouh. Je vais quitter l'appel s'il vous plaît sur Discord. Et on arrête. Alors, hop, on descend. On va ouvrir le jeu parce que quand même c'est important si on ne met pas le jeu. Il y a rien d'intéressant. Donc je pense qu'on va partir sur 3 quarts d'heure, 1 heure. Je pense qu'on va pas jouer longtemps. On sera quand même meilleur, ce sera déjà pas mal. Parce que bon, demain j'ai quand même une épreuve. Hein. Et ouais, les épreuves pour le bac, c'est génial. Oh, la lumière, ça fait du bien. Alors, où es-tu? Where are you, bro? Sonic, Sonic, non, c'est pas Sonic. Sonic, Sonic Advance. Un de mes jeux préférés, je vais pas vous mentir. Par contre, je n'ai pas changé le nom du stream, il faut que je le fasse tout de suite. Bah c'est parfait, les amis. Tout a été détecté et on va pouvoir lancer. On va reprendre là où on s'est arrêté. Il y a level 4, acte 2. Non, il me proposait à tous les niveaux, mais nous, les sur les vrais savent, on était à Sonic. On va juste des petits tests. Tellement moins fat que le Sonic 1. Mais manger, moi je te laisse, je vais me foutre. Et bah écoute, pas de soucis bro. Bonne app. Thank you.
C'est chaud, c'est très chaud. Ah, la vie, j'ai réussi ce boss. J'avais perdu quand même 5 ou 6 vies sur ce putain de boss qui m'avait fait péter un bond d'air. Hein. Ce boss est le plus dur boss du jeu pour moi. Hein. Voilà, juste parce qu'il faut survivre avec l'eau et ça pue la rage. Je fais juste une vérification d'un truc et je... Ah c'est bon, les amis, hop, hop, on reprend les amis. Bon allez, on y va les amis. Ah ce niveau était pas trop, trop chiant ça va encore. Oh là là. On va dire que Sonic c'est le mode normal, le Knuckles c'est le mode easy, Tails c'est le mode super facile et Amy c'est le mode hardcore. Ah non!
Ah ta mère. Wow. Ce jeu me plaît, ce jeu je l'aime de tout mon cœur. Onkeo. Oh non! Ah génial! Oh non! Je suis un peu triste, les amis. Je vais vous mentir. Oh. Tu te fous de ma gueule, le jeu. Sega. Allez, encore, allez, une petite demi-heure. Et après dodo. Parce que demain il y a épreuve. Non.
Ah ouais. Ah, dommage. Bref, suivant. Tu galères? Pourquoi tu galères? Bon, allez, on va essayer de faire, on va essayer d'y arriver. Oh, abusé. Quoi?
Ah, ta mère! Oh, ta mère deux fois là! Comment le jeu là? Arrête de me casser les couilles aussi, hein. J'ai plus de vie, c'est génial! Oh, nique ta mère! Ah! Je suis mauvais, Johnny, je suis très mauvais. Et ça? Ça me saoule. Oh, j'ai pas envie d'être mauvais, si vous avez l'ami, vous voyez, j'ai pas vraiment envie d'être la mauvaise thé. Donc bon. Et t'as pas une BOD qui fait ouais, deux levels. Allez. La VOD qui fait 2 levels, c'est génial. Mais quoi? Génial.
Oh, nique ta mère! Pourquoi le jeu il m'aime pas? Yo Babatou 42V, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Et moi ça va très bien. J'ai suivi une épreuve demain, c'est génial. Écoute-moi, ça va tranquille, écoute. Même si je suis mauvais sur Sonic Advance, alors que le jeu, je l'ai fini 256 000 fois sur ma GBA quand j'étais gosse, mais c'est pas grave. D'accord. J'ai vraiment l'intérêt de truc, hein. Parce que personne n'aura envie de retourner en arrière, déjà. En fait, la première fois que j'ai fait ma première session sur ce jeu, j'ai fait, j'ai perdu aucune vie, je crois, tout le long du jeu, sauf arrivé au boss. J'avais 5 ou 6 vies au boss de la glace, monde de glace, le bon gros boss de merde que j'encule au plus profond de mon cœur. Alors, ce boss-là. Et bah je suis mort et malheureusement j'ai perdu toutes mes vies, j'ai même fait un game over dessus. Ah, bref, ce boss, mais je le hais, mais j'ai une chance, alors que là comme t'as vu, hein, t'arrives au moment du boss. Là le boss, voilà, j'étais torché quoi, la main dans le slide quoi, mais. Et bah quand même je déteste ce boss parce qu'en fait là, avec la éclo, machin et tout, enfin c'est la misère quoi, ce boss est juste nique ta mère. NTN sur... Wow. Sur 20. Bah en fait... En gros il y a juste en fait c'est juste un boss en fait dans l'eau, en fait t'as des pics qui tombent dans l'eau.
Et en fait tu te sers des pics pour en fait monter. Et en fait le boss en fait flotte. En fait le boss flotte en fait et toi en fait juste avec en fait t'as les pics qui tombent dans l'eau. Ah mais nique ta mère là maman. Voilà. Et en fait qu'il faut sortir de l'eau à une certaine récurrence. Oh non mais je suis. Et bref, hein, c'est casse-cou ce boss et je le hais et profondément âme. C'est la seule difficulté que j'ai dans le jeu. Hein. Ce jeu là. Je le connais assez bien, j'irai pas par cœur parce que voilà, j'ai quand même. C'est quand même plein de trucs que j'ai oublié depuis hein, quand même, hein. Mais ce jeu est génial, ce jeu est génial. C'est le jeu de mon enfance, avec Medieval, Quake 2, Tekken 2, Tekken 3. Même si je préfère Tekken 3, j'ai énormément joué à Tekken 2, mais genre... en fait, Tekken 2 est mon premier Tekken, donc forcément, j'y ai joué, mais genre des années. Je pense que j'y ai joué, ah, déjà, je l'ai eu Tekken, deux fois en plus, hein, je vais niquer, hein. Je l'ai eu Tekken 4, était dès la sortie, donc pour te dire, hein. J'y ai joué, mais jusque longtemps en plus, hein. Enfin bref. On n'est pas là pour parler de mon enfance, on est là pour parler de Sonic et de Sonic Advance. Ah, tiens, voilà, on n'a pas eu la même enfance, hein. on n'est pas de la même génération, je pense, du coup. Ouais, mon enfance c'était la PS1 des parents parce que eux avaient acheté la PS2. Ah mais il y a un timer aussi dans putain de niveau. Oh facile ouais. Ah je suis de 4 à 8 donc peut-être même plus je dirais même. Parce que... Et je vais recommencer, on va perdre une vie sur un... Bah écoute, 10 ans d'écart, putain. Eh ben, c'est la perfection du tu vois. Eh, franchement, je sais pas comment t'as fait. Hein. Mais bon. Peu importe l'âge qu'on a, bon, sauf les gamins maintenant, parce que les gamins maintenant, ils connaissent pas trop le rétro game, mais peu importe l'âge qu'on a, notre âme de rétro gamer sera toujours là. Ah moi, je suis la dernière génération d'avoir connu les cartes mémoire de PS1, quoi, s'il te plaît. Cartes mémoire de PS1, s'il te plaît, je suis la dernière génération d'avoir connu ça, mais... Et les cartouches de GBA voilà, c'est quand même simple. Je me dis que t'avais la PS1. Okay. Non mais mes parents. En fait j'ai récupéré la PS1 de mes parents parce qu'en fait eux en fait avaient la PS2. Du coup j'ai récupéré tous leurs magnifiques jeux qui étaient donc Quake 2, Medieval 2 qu'on a trouvé plus tard, qu'on a acheté plus tard.
Quoi, Cool Border 1, 2, 3, après j'ai oublié 4. Need for Speed. Bah bref. Que des potes. C'est feu. C'est fou. C'est ça. Le suicide, c'est à vous. Ah mais c'est ça, va, c'est le problème de ce niveau, c'est que c'est un niveau que j'aime bien, mais que j'aime pas. Parce que je suis jamais été très fan des YOLO saut de l'ange. Hein quoi, qu'est-ce qui quoi? Qu'est-ce que quoi? Saut de l'ange. Bruh. Ah, j'ai jamais été très fan du niveau saut de l'ange, mais bon, après, hein. Comme on dit, il faut tout pour faire un monde, hein. Mais bon. Là, pour le coup, les gars, c'est que les niveaux saut de l'ange. Alors bah je passe que mon bac parce que j'ai redoublé ma première et ma quatrième. Du coup je passe que mon bac de France actuellement, c'est génial. Alors bah ça aurait dû être l'année dernière. Alors, normalement je devrais être en première année de DUT génie civil. Normalement je devrais être en première année de DUT. Et non, je ne suis qu'en première S, c'est génial. Enfin, je devrais avoir fini ma première année de DUT. Pour être passé. Ah, j'adore ces phases de gameplay. Oui. Oui. Yeah. Comme tu dis, l'ami. Fun. Voilà. Lucas, 6 ans et demi, joue à sa GBA pour la première fois. Oui. En fait, ça me rappelle trop de souvenirs, en fait. Voilà. Bon, je vais arrêter, hein, les amis. Ne regrettez pas, voilà, c'est bon. Juste, voilà, j'ai retrouvé mon enfance, là, pendant quelques secondes. Du coup, ça m'a fait un peu plaisir. Ah, c'est vrai que ils sont bons. C'est vrai qu'ils sont bons. Non, la séparation. Bon. Bref, j'espère que cette séquence de gameplay est immersif dans Sonic. Sonic. Sonic Flipper 2018. Sonic CD, c'est lesquels déjà? Sonic CD, c'est que Sonic 2, je vois, c'est Sonic avec l'apparition de Tails d'ailleurs. Alors que autant Sonic 1 est immonde, hein. Ah, j'y ai joué, il est dur en crever. Il est dur en crever. Ça. Dans Sonic 2 est génial, et super agréable à faire. Sonic CD, c'est lequel celui-là? C'est... Après voilà, tu vas me dire, les sources Sega Mega CD, je suis d'accord, mais... Vous avez compris, mais dire c'est... Non, mais c'est juste, ça fait juste comme ça, c'est juste qu'il y a Sonic CD en mode... on n'avait pas d'idée de nom, du coup, Sonic CD, c'est tout très bien. Non mais j'avoue que celui sur Mega CD, c'est vrai que celui-là il me dit rien du tout ça. Okay. Autant Sonic 2, Sonic 3 avec Knuckles, Sonic et Knuckles. Ah ta mère.
Ta mère! C'est génial, j'ai que ça à foutre. Tiens, va te suicider. Va, go suicide, va chercher bonheur. Ouais, mais en fait, c'est même pas que nous avons, c'est qu'en fait, c'est je joue activement, mais parce qu'en fait, je connais le jeu en fait. C'est bon, le jeu, je l'ai fini 25 millions de fois. En long, en large, en travers, avec Sonic, avec Tail, avec même avec Knuckles, avec Ami. Non, Ami, c'est la version hardcore, hein, la version Ami, c'est. Ouais, c'est bien, je me trompe pas, non, mais avec Ami, tu fais, t'as pas de boost. Pas le boost en mode. Avec Knuckles, le jeu est trop simple. Avec Tail, le jeu est hyper simple. Hein, c'est n'importe quoi. Avec Knuckles, tu peux t'accrocher au mur, tu peux grimper au mur. Avec Tails, tu peux voler. Avec Amy, t'as un marteau. Avec Amy, tu peux rien faire. Hein. Avec Amy, c'est. C'est 20 mourir sur 20. Oh non! Ah. Et du coup, toi qui as beaucoup joué à Sonic, je suppose, parce que vu que t'as joué à Master System et la Mega Drive et la Mega CD, du coup, qu'est-ce que penses-tu de la de Sonic en 3D, du coup? Est-ce que tu penses qu'il y a eu des bons jeux en 3D? Est-ce que tu penses qu'il y a eu des mauvais jeux en 3D? Bon, les bons jeux en 3D. Bon, en fait, c'est pas vraiment une nouvelle. Hein. Je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord pour que dire que Sonic en 3D, c'était pas forcément que des bonnes idées. Ah, mais non, mais, monsieur l'arbitre, là, monsieur l'arbitre, là, il y a faute, monsieur l'arbitre. S'il vous plaît, monsieur l'arbitre, il y a faute. En vrai, je trouve qu'il y a eu un bon Sonic en 3D que j'ai connu. Enfin, connu. Que j'ai joué. Vaguement. Je sais plus qui c'était. Lequel c'était. Sonic Mania, c'est quoi Sonic Mania? J'ai pas trop suivi la actualité Sonic, j'ai pas ton genre. J'ai pas trop suivi. L'actu Sonic avec Sega, je vais pas te mentir. Même si je sais très bien que Sega, c'est plus fort que toi. Tu sais qu'il y avait un bon jeu sur NGC. Sur GameCube, je sais qu'il y avait un bon jeu Sonic. Alors après, un bon jeu Sonic en 3D et tout, avec un univers super sympa, un gameplay qui était pas dégueulasse. Après, est-ce que tu sauras me dire c'était quoi le nom du jeu? Ouais, c'est vrai, c'était peut-être même celui que je parlais. Hein. C'est quoi, c'était peut-être même Sonic DX, hein, j'en sais rien du tout. Je saurais pas te dire, parce que je me rappelle plus, que je n'ai jamais su le nom de ce jeu en fait. Ça. Mais je sais qu'il y avait un Sonic sur NGC en 3D, en full motion pic. Non, chacun. En 3D et tout, dans un univers assez sympatoche. Bon après, à NGC, j'étais pas bien grand non plus, hein, donc bon, après, hein, quand j'ai joué, j'étais pas non plus... J'avais 10 ans, j'avais même pas 10 ans quand j'ai joué au jeu, je sais pas, donc bon... Mon avis n'était pas forcément très objectif. Ah, très objectif, ouais.
C'était le CE d'un gamin de 3 ans, quoi. Enfin, voilà, ça va être là. Forcément, c'est celui-là qui... Voilà. Mais après... Ah bref, si tu arrives à me trouver le nom de ce jeu... Tu auras le droit à un pins. Et mon ami, un pins. Et tu dis très bien quoi je parle en plus quand je parle de pins. Parce qu'en plus c'est ta génération les pins en plus. C'est même pas les mêmes, c'est ta génération les pins. Donc bon ok en vrai en vrai j'ai pensé à Chroma quand j'ai à Karim de Vache quand j'ai pensé à pins mais quand j'ai sorti une meuf les pins mais. J'ai pour le level up bro, j'ai pour fort le level up. Tu es goldé l'ami, tu es goldé. Ah ça commence, ça commence. C'est ici qu'on vient. Ah mais non mais. Ah mais non. Ah merde. Oh là 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 là. Et du coup non tu n'as jamais fait Sonic Advance du coup. Donc, voilà.
Ouais, c'est quoi la strat? S'il vous plaît, c'est quoi la stratégie? La stratégie. Dommage, t'as raté un bon jeu quand même. Franchement, bah là tu vois toi-même, ce jeu est génial. Le gameplay n'a pas pris une ride. Hein. Ah bon, là je suis un peu merdé avec mon truc là. Après, si tu peux, si t'aimes mes émulateurs, je t'invite à tester ce jeu. Ah vraiment, il y en a 3 en plus, donc je ferai les 3, ne vous inquiétez pas. Après Zach. Ouah, une vie. On est mal. Mais je fais comment? La putain de terrasse! La putain de terrasse! La putain de terrasse! Et je tape le time out! Ce jeu va me tuer. Pourquoi je chante comme ça? Les sirènes. je sais pas pourquoi je me suis chanté ça. Mais je sais pas, là dans ma tête et. Quand tu rages, t'as toujours une musique à la con qui vient enfin au fond de toi-même. Au fond de toi. Qui te fait. Regarde, tu fais de la merde, regarde, pense à une chanson de merde. Ah, le combo breaker, quoi. Je vais arrêter d'entrer dans la cave, parce que sur le moment de rage, des fois, ah t'as dans ta vie, des fois, tu rages les gameplays, que t'as fini. En plus, parce qu'en plus, tu sais que c'est faisable, parce que tu l'as déjà fait. Tu sais que c'est faisable. Ah, abusé. Ah, loupé. Loupé. Ah bah, tiens, bien dessus. Voilà. Eh non, pour pas. Nope. Ah, nein. Hop là.
Et moi, là, ça, elle a du genre quand la GBA, parce que moi en fait j'ai connu la GBA, mais quand moi j'ai une GBA en fait, en fait moi j'ai passé ma vie à être en retard vidéoludiquement en fait. Quand j'ai une GBA SP même, j'ai même pas une GBA normale. J'ai une GBA SP alors que je la voulais. Hein. J'y connaissais rien en fait dans les vidéos. Et je savais même, en fait moi je voulais une GBA SP, alors que la DS était déjà sortie. Hein. Bon après j'ai comme une DS Lite, mais j'ai eu une GBA SP. Alors que la DS était déjà sortie, je vais jouer à Dibou. Je t'emmerde. Mais non, en vrai, je peux pas t'emmerder parce qu'au final, tu as raison. Bon, après, je joue à un jeu GPA sur au clavier. Est-ce que c'est une excuse, voilà, est-ce que c'est une excuse pour prouver que je suis moins bon? Ah non, 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 non! Oh. Ah, si je tape le game over, j'arrête tout de suite. Hein. Je vous préviens tout de suite, les amis. Si je tape le game over, ah, par rapport autant de jeux, par rapport à Utopia, ça me dit quand même quelque chose de nom. Ça me dit quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Ça me parle. Hein. C'est pas ce fan game où genre Sonic qui grossit, où il y a des trucs un peu horreur et tout. Enfin genre il y a plusieurs jeux, je crois qu'il y en a un c'est genre Sonic qui grossit. Il y en a un c'est Il y en a un c'est genre ouais c'est un fan game. Mais c'est pas celui où sort Sonic qui devient plus gros, plus tu bouges de pièces, mais t'as quand même besoin de pièces puisque c'est le même principe que Sonic normal. Et du coup c'est un jeu, ça rend le jeu super chaud. Oh la petite life, le petit life pop qui fait zizir. Comment ça? Comment ça, un jeu qu'on a tous en devine? Non! Non! Wow. Et ce jeu ressemble à quoi en fait actuellement? En gros, ce jeu en fait ressemble à quoi ce jeu? Et du coup, tu m'intrigues là. Bon, moi en 2000, forcément, je l'attendais pas trop parce que j'avais un peu de temps, donc je l'attendais pas trop en 2000. Ouais, mais... Et bon, je veux le délire. Hein, c'est comme ça sort en 3D. Et le jeu qui est le jeu que Sega a dû créer, c'est Sonic R. Ah, un vrai jeu! Un vrai jeu de voiture! Genre un vrai jeu de course. Je vais juste checker ça. Je vais checker ça juste après quand j'aurai réussi à passer
Ce passage de merde. Ah mais des fois j'y arrive en plus. Ah. Bon voilà. Ah oui non mais voilà. On reprendra demain hein, je pense. Hein. Ne dites rien. Je sais ce que vous pensez tous. Enfin, ne dites rien. Ne dites rien. Je sais ce que vous pensez. Je sais tout ce que vous pensez tous. Ne dites rien. Mais voilà, est-ce que c'est quand même. Mais ce jeu est beau. Bon, un peu vide mais beau. Après c'est juste trailer, bon je peux comprendre. Waouh. Et je t'aime jeu. Viens, viens jeu, je te fais des bébés. Ah non, ouais, non, ouais. Ah, j'avoue. Je savais qu'il fallait faire ça. Et tu m'as rien dit. C'est sorti. Bon, moi, les amis, je vais vous laisser là parce que, bon, ça fait 1 heure, quoi. 1h06 de gameplay, ce qui c'est cool. Ça fait déjà 2 VOD. Il faudra que les upload, tout. Et je vous dis. Et... Alors, peut-être demain. Ou après-demain. Ah, bref, moi je vais me coucher. N'hésite pas à follow l'ami. N'hésite pas à follow aussi. N'hésitez pas à follow, à revenir sur la chaîne, à checker. Moi je vous dis à demain ou après-demain. On verra bien comment ça va se passer. Des bisous tout le monde. Tu joues.